Bonjour. Aujourd'hui, on va tester Ultimate Epic Battle Simulator qui est gratuit sur Steam jusqu'au 1er février. J'ai aucune idée de comment ça joue, qu'est-ce que c'est. Le but, c'est juste d'essayer rapidement pour voir ce qu'on peut faire. On va faire Sunbox. On va faire un combat de science-fiction. Ou des runners zombies. On va mettre moins de walkers parce que je pense que sinon ça va faire trop. Contre 250 tables, je sais pas parce que pourquoi, ok, vas-y. Du coup, si j'ai bien compris, c'est un simulateur de bataille géante où on peut choisir ce qu'on veut faire combattre contre les uns contre les autres. Dans l'arbre. Apparemment aujourd'hui c'est nuage. Ah ça c'est les tables, mais 250 tables, c'est ouf. Est-ce qu'il va nous montrer toutes les unités ou il va rester sur les tables? Parce que j'avoue que dans l'eau c'est, j'ai le moins confiance dans les tables. Ah là-bas les mecs. Les robots géants. Mais bon, c'est vrai que je parierais pas sur les tables. On a nos zombies qui courent. Pas beaucoup de variété. Ah, je peux, hop. Et nos soldats américains. Et là-bas, les robots. Oh là là là, oh là 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 là. Alors on voit que tout de suite les zombies se jettent sur les tables. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif. Alors qu'une partie des tables semble attaquer, aussi étrange que ça puisse paraître, les robots. Mais alors du coup c'est, je pensais que c'était des tables inanimées en fait. Ou bien... Ah mais voilà, il n'y a plus de zombies. Vous m'auriez dit que ce qui gagnait entre un zombie et une table, c'était une table. Vous n'aurez pas cru. Ah mais c'est les tables qui vont gagner cette histoire, c'est ça qu'on est en train de se dire. Après, j'ai du mal à discerner des tables vivantes, des tables mortes. Celle-là, elle bouge plus trop. Bon, on va peut-être aider. Apparemment, j'ai un bouton pour lancer un... Bah, c'est moi qui ai gagné du coup. Voilà. C'est... Ah mais il y a un château ici. On va voir ce qu'on peut faire. Ouh, on peut aller plus vite. Est-ce que le château est destructible? Est-ce que je peux mettre le missile plus loin? Ah non, j'ai plus de missile, j'ai plus qu'un seul, j'avais qu'un seul missile. Ah oui d'accord, il y a des intégrations avec des mods. Des battle droids. Beaucoup de Star Wars là apparemment. Un Predator. Ok. Des paladins encore Star Wars. C'est bizarre parce que je ne suis pas convaincu qu'ils aient la licence pour toutes ces choses là.
J'imagine qu'ils veulent tel... Ah si, hier. Bon, il faut redémarrer l'application. Alors, qu'est-ce que c'est que FPS Invasion ? Ah oui, c'est typiquement une invasion. Et en sandbox. Je pense que si je mets plus de tables. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme catégorie ? Des héros. Chuck Norris. Un Chuck Norris. Alors du coup, oui, ça on en revient à faire des... Un Chuck Norris contre 500 tables. Ok. C'est le jeu qui représente en fait, genre, mais qui gagnerait entre Chuck Norris et 500 tables. Ou entre 500 zombies et 3 tanks. Mais bon, après, perso, j'ai pas tellement le... Je sais pas, je vois pas trop le... C'est rigolo 5 minutes, quoi, mais... Une fois qu'on a compris, on va aller voir Chuck Norris. Ok, Chuck Norris. Versus. On va se mettre un peu comme ça. Versus les tables. Paf, paf. Ce qui est difficile de voir avec les tables, c'est quelle est la quantité de dégâts qu'elles peuvent faire à Chuck Norris. Pour l'instant, comme attendu, c'est Chuck Norris qui massacre les tables. Je me demande rapidement si je vais faire un tour ici et que je lâche une bombe. Puisque apparemment j'ai le droit. J'ai tué personne là-bas. Et le château n'a pas l'air destructible. Je suis assez déçu, j'avoue. J'ai vu qu'on pouvait posséder... Je peux posséder une table. Dessus une table à 400 points de vie. On pourrait jouer le héros. Alors, j'ai ralenti le temps alors que ce que je voulais c'était le... Est-ce qu'il y a un... Voilà, timescale. Hop. Parce que moi j'aimerais bien savoir qui va gagner. Est-ce que c'est Chuck Norris? Ou... Je sais plus combien j'avais mis de table. 500 tables. Ça va être Chuck Norris, hein, je pense. Je donne pas cher des tables. On pourrait dire pourtant qu'elles auraient pu l'encercler et bim, un coup de table. Team Chuck Norris is victorious, voilà. Comme attendu. Du coup, voilà, c'était juste un aperçu super rapide de ce jeu qui est gratuit sur Steam jusqu'au 1er février. Personnellement, je pense que c'est la seule fois où je vais y jouer, à moins que j'imagine un truc très rigolo et que je veuille voir ce que ça va donner, mais bon. C'est pas non plus un simulateur méga réaliste, c'est plus pour rigoler. Donc voilà. Après, si jamais vous voulez voir des combats épiques sur des combats de Chuck Norris contre je sais pas qui ou quoi, ou avec des mods, pourquoi pas, ça peut se tenter, voilà.
Bon, c'était rigolo, mais je suis content de ne pas l'avoir payé. Voilà. Bye bye.